Bonsoir à tous. Salut grand manager, c'est comment? Quel est l'objectif de ta vidéo? Il est important que je clarifie certaines choses. Avant de commencer, demande humblement et simplement pardon à tous ceux que tu as heurté leur sensibilisation. Je vais d'abord dire demander pardon. Reprends. Je vais d'abord dire demander pardon. Tu demandes pardon à qui? À toutes les mamans, tous les papas, tous les frères et sœurs qui, à travers Facebook, j'ai choqué. Donc, tu reconnais tes erreurs? Oui, je reconnais mes torts. J'ai fauté. Bon, et tu dis donc quoi à tous ceux qui t'ont soutenu dans tes moments difficiles? Merci déjà pour le soutien, tous ceux qui m'ont appelé. Et ceux qui ont tiré sur toi comme moi? Merci aussi, tous ceux qui ont tiré sur moi. Et pourquoi tu nous dis merci aussi? Ils m'ont permis de voir certaines lacunes que j'avais. Ça veut donc dire que nous t'avons fait du bien? Ah, parce que vos critiques m'ont aidé. Vos insultes m'ont aidé. Et comment tu trouves toi-même ta façon de te comporter devant tes acteurs? La façon avec laquelle j'ai parlé n'était pas bien. Tu reconnais? Je le reconnais. Est-ce que tu leur as demandé pardon? J'ai déjà demandé pardon à mes comédiens. Demande-moi aussi pardon. Je vous demande pardon à vous. Non, demande humblement. Je vous demande humblement pardon. Ok. Bon, pourquoi tu es arrogant autant comme ça? Je voulais faire voir autre chose puisque je suis un homme qui n'aime pas montrer qu'il est faible. Demande-nous encore pardon. Je vous demande pardon à vous. Encore et humblement. Je vous demande humblement pardon. Et à tes collaborateurs aussi. Si j'ai choqué aussi certains collaborateurs avec qui j'ai fait chemin, je vous demande pardon. Bon, ton artiste qui bavarde partout là, pourquoi tu l'avais chassé de ton groupe? J'étais abusé par mon ancienne actrice qui a été éjectée de mon équipe parce qu'elle s'est mal comportée. Ok, on note donc que ce n'était pas le vol. Demande encore pardon. J'ai été froid. Il vous a choqué, je vous demande pardon. Et concernant la mère de ton enfant qui pleure partout dehors, là, l'histoire c'est quoi? Je suis un homme électron libre. C'est-à-dire? J'étais plus déjà avec la mère de mes jumeaux. Pourquoi? La vie nous a séparés. Ah, est-ce que la mère de ton enfant était une mauvaise mère? C'est une très bonne mère, déjà. Donc c'est la vie qui vous sépare? Mais la vie nous a séparés. Ok, c'est une bonne mère. Un autre homme pourra l'épouser. Continue l'histoire. J'étais comme un électron libre et je, comme tout jeune homme, je partais de fille en fille. Je n'étais pas casé, voilà. Non, papa, on connaît bien ton score. Je veux juste savoir si Lisette a menti. Ses pleurs sont sincères, je dois vous le dire. Elle est sincère dans ses pleurs. Pourquoi donc elle pleure partout? Elle pleure parce qu'elle a mal, elle pleure parce qu'elle a souffert, oui. Je connais une femme qui a mal. J'espère que tu ne fais pas une vidéo pour nous démontrer qu'elle a menti. Hein? Je ne fais pas cette vidéo pour dire qu'elle a fait une vidéo où elle a menti, non. Ok, continue. Je l'ai rencontrée courant 2019. J'étais libre, électron libre. J'étais de fille en fille, comme toujours. Papa, on a déjà compris. Qu'est-ce que tu dis à Lisette? J'ai fait cette vidéo aujourd'hui principalement pour dire à Lisette, j'aurais dû prendre au sérieux. Au départ, je n'ai pas pris au sérieux. Et pourquoi tu n'as pas pris au sérieux? Je pensais que c'était une blague. Donc... William, c'est nous. Tu as au total combien d'enfants? J'ai 5 enfants reconnus aujourd'hui. Et tu t'en occupes? Je m'en occupe. Tu es sûr? Je m'en occupe quand un père doit s'en occuper. C'est pas un sixième qui devrait faire problème. Ok. Mais j'aurais dû aller m'enquérir de la situation quand il était important. Tu as la mentalité d'acier. Si dedans, c'est le fer, mon frère. Et ta tête, c'est les pop-corn. Il n'y a rien de... Ok, demande alors pardon à Lisette. Je demande pardon à Lisette. Je vous demande pardon à vous, aux mamans, aux papas. Tout cela a choqué. Est-ce que tu es déjà entré en contact avec elle? J'ai appelé Lisette déjà hier. J'ai appelé Lisette aujourd'hui, on a parlé. Et la suite, c'est quoi? Il est question qu'elle fasse remonter l'enfant et ma maman et moi, on ira vers elle. Reprends un peu. Il est question qu'elle fasse remonter l'enfant et ma maman et moi, on ira vers elle. Promis. Et je prendrai mes responsabilités. Promis. Je vous le promets. Tu as quelle autre promesse à nous tenir? Je promets prochainement de séparer ma vie familiale, ma vie professionnelle. J'ai appris de mes erreurs. Tu dis quoi? Je vais séparer désormais ma vie familiale, ma vie professionnelle. Je vais apporter beaucoup de changements dans ma vie familiale. Je vais apporter beaucoup de changements dans ma vie professionnelle. Beaucoup de changements, je vous le promets. J'espère que dorénavant, tu vas mieux respecter tes acteurs et tes collaborateurs. Ma vie professionnelle deviendra désormais plus professionnelle, des acteurs aussi plus professionnels. Je vais changer beaucoup de choses, voilà, je vous le promets. Et bébé Lune? Cet enfant,
aura l'amour dont il a besoin. Reprends. Cet enfant aura l'amour dont il a besoin. Ok, très bien. Monsieur William Senou, voilà le genre de caractère qu'on attendait de toi depuis. J'espère que tu t'es retrouvé, tu t'es remis. Et c'est ce que nous on voulait depuis le début. Que tu laisses l'orgueil de côté et tu te comportes comme tu te comportais. C'est ce que moi particulièrement j'attendais de toi. Et j'ai vu aujourd'hui en toi un homme qui a mieux compris la vie maintenant. Je pense que tu es sincère dans tout ce que tu dis et que prochainement, ou bien à l'avenir, tu vas mieux te comporter envers ton entourage, envers des personnes qui collaborent avec toi. Moi particulièrement, je retire tous les mauvais mots, toutes les mauvaises paroles que j'ai prononcées envers toi, William Senou. Et je te demande, j'oublie tout le mal, tout le passé, tu comprends? J'oublie tout ce que tu as fait de mauvais parce que la vie n'est pas ça. On ne doit pas s'attarder à des problèmes, on doit avancer. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Je te tends la main, si tu veux bien donc prendre ma main, je te tends ma main. À Mondo Vision, sur ma page, sur mes plateformes, je te tends la main parce que c'est l'amour qui est important. Je te pardonne sur tout ce qui s'est passé entre toi et moi. Je te tends la main et je demande sincèrement et humblement à tous ceux que tu les as heurtés et que tu as heurté leur sensibilité, que tu les as fait du mal, de te pardonner. Parce que la vie, c'est le pardon. Tu t'es rabaissé, tu as demandé les excuses et c'est ça. Un homme qui reconnaît ses erreurs, on doit pardonner à cet homme. Je t'ai pardonné si vraiment tu es sincère dans ce que tu dis. Et je te promets que je ne parlerai plus jamais de tout ce qui s'est passé. Et ce n'est que l'amour. Nous avons besoin de l'amour pour développer notre pays. Nous n'avons pas besoin des querelles, des disputes, des clashs et tout le reste. William Senou, en toute honnêteté, devant mon créateur, devant l'homme qui m'a donné la vie, je te pardonne et j'oublie tout. Si tu veux bien, on pourra prendre un rendez-vous pour faire une vidéo de paix. Si tu veux bien, mais ce n'est pas obligé. Tu es libre. Et à mon public, je vous demande de pardonner William Senou. Il a reconnu ses erreurs. On doit le pardonner. C'est aussi ça la vie. Bye bye, s'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.